Cette année, un étranger adulte sur deux sera expulsé. Alors le nombre d'enfants abandonnés explose. Une fois interpellés, les parents signalent rarement l'existence de leurs enfants à la police et, persuadés de revenir vite en Kwassa, sont ainsi expulsés sans eux. Cet enfant n'a pas vu sa mère depuis 9 mois. Ils sont 6, tous nés à Mayotte, âgés de quelques mois à 16 ans, à la charge de leur tante. Deux des enfants de Zaharia sont assez grands pour demander la nationalité. Si cela avait été fait, elle n'aurait pas été expulsée. La Maria Galanta arrive à Mutsamudu, la capitale d'Anjouan. Hébétés, les reconduits débarquent sur une terre que leurs enfants n'ont jamais vue et dont ils ont fui la misère. Souvent sans argent, ni bagages, c'est sans gloire qu'ils rentrent dans leur village, avec une seule idée en tête, repartir. C'est à Shanga, au centre de l'île, qu'habite Zaharia, expulsée il y a 9 mois et qui a laissé ses 6 enfants à Mayotte au bon soin de sa sœur. Je suis venu à la maison.
Cette année à Mayotte, plus de 250 Kwassa Kwassa ont été interceptés. Au cours des 5 dernières années, les effectifs de la police et de la gendarmerie, épaulés par 3 radars, des vedettes d'interception et un hélicoptère, ont presque triplé. Mais la force des liens familiaux et économiques multiséculaires est telle que ni les refus de visa, ni les poursuites en mer ne peuvent empêcher les échanges entre les îles. Les 70 km qui séparent l'île d'Anjouan de celle de Mayotte sont ainsi devenus l'un des principaux cimetières marins de la planète. Environ 7000 personnes y auraient perdu la vie depuis 1995.